essayer d'accompagner ce grand voyage. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec beaucoup de musiciens du monde, pour essayer de transporter les gens. Notre monde d'aujourd'hui, c'est ça. Peut-être aussi bien en Inde aujourd'hui, à Shanghai, demain. Et c'est un peu ça que j'aimerais retranscrire dans la musique. J'adore la musique d'Armand, je pense que c'est un des plus grands musiciens français, peut-être, du monde. Et j'avais envie d'avoir la musique du monde. Je ne peux que travailler avec des gens que j'aime. Et j'ai beaucoup aimé les gens avec qui j'ai travaillé, donc travailler avec Armand, c'est génial. C'est l'intro du film. J'ai beaucoup voyagé et on a toujours une idée d'un thème qu'on a entendu et quelque chose qui nous a fait vibrer. De toute façon, ce film n'est qu'émotion et ça nous raconte en même temps de belles choses, de choses dures. Et ces émotions que j'essaye de... Je me dis, tiens, cette voix gutturale va m'aider à retranscrire peut-être quelque chose d'intense et de un peu angoissant. Avec les conversations qu'on a pu avoir avec Armand, je sais qu'il cherche toujours à essayer de toucher les gens vraiment profondément. Et tel qu'il me l'a expliqué, ce qu'il est allé chercher avec moi, c'est quelque chose d'hyper profond. Et c'est super valorisant que quelqu'un vous dise viens poser ta couleur dans ma musique parce que c'est profond. J'essayais en définitive de faire une sorte d'opéra du monde. Je suis parti à la recherche de voix, d'instruments qui pourraient convenir à l'univers de ce film. Tune, top, tune, oui, tune, tune, voilà. On est dedans. Ok. Pas partir à l'aventure. Donc j'ai vraiment fragmenté le film en essayant de raconter la même histoire avec la musique que ce que racontait le texte et le film. On est très contents. Il n'y a même pas besoin de refaire. On peut dire qu'on est très content. Avec toutes ces personnes qui ont participé, tous ces musiciens qui ont participé au film, c'est en même temps de respecter leur culture que d'intégrer leur culture à notre culture et d'en faire quelque chose de neuf.